Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan? The floor is lava. Ah là là, Internet. Je t'aime bien, mais des fois tu pars en cours. Voilà, je fais cette vidéo pour vous donner quelques petites nouvelles. Ça fait quand même 3 mois que je n'ai pas publié de vidéo. Je suis navré, mais ces 3 mois étaient putain de chargés. J'étais vraiment très très occupé entre le permis, le bac et tout. Enfin bref, voilà. Donc j'ai les leçons du permis pour avoir le permis que j'ai eu, réviser le bac que j'ai eu aussi. Enfin voilà, tout ça, ça prend du temps. Donc du coup, j'ai dû mettre les vidéos de côté. Et voilà, c'était 3 mois très très intenses, révision, révision, révision. Là cet été, je travaille pour me faire un petit peu d'argent de poche. Voilà, tout simplement pour vous donner des petites nouvelles et vous dire pourquoi j'étais absent pendant ces 3 mois. Bon, maintenant que le bac est terminé, on peut jeter tout ça, allez. Voilà. Du coup, comme je suis maintenant un bachelier, je serai un étudiant à partir de la rentrée. Et qui dit étudiant, dit déménagement, studio, enfin bref, vous aurez compris, ça veut dire que je vais déménager, je vais vivre dans un studio, donc qui dit studio, ça veut dire tout petit, donc ça va être petit, donc du coup, tout ce fond là, et ben, ça va dégager, enfin, je vais dégager, donc logiquement, il n'y aura plus le fond, donc d'ici quelques semaines, il y aura de moins en moins de trucs, d'objets dans ce fond, je vais devoir tout virer. Malheureusement, j'ai fait très peu de vidéos avec, j'ai dû en faire une dizaine et je vais en faire encore pas beaucoup malheureusement. Voilà, c'était un fond que moi je trouve très sympa, je trouve ça voilà, une petite commode avec des petits objets que j'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, dans mon studio, ça sera plus petit, je vais devoir tout réaménager, je vais essayer de faire un truc assez sympa, ça sera peut-être moins grand, moins d'objets de déco, mais je vais essayer de faire un truc sympa, vous inquiétez pas. Ensuite, je voulais aussi vous dire que bah, je vais continuer les vidéos, bien évidemment, mais j'ai envie de faire des vidéos travaillées, écrites. J'ai vraiment envie d'arrêter tout ce qui est gaming, tout ce qui est vidéo, voilà, gaming que j'ai pu faire, tout ça, j'ai vraiment envie d'arrêter. J'ai envie de faire des vidéos travaillées, de les écrire, de les tourner, passer du temps sur le montage, vraiment un truc. Une fois que j'ai publié, je me sens... Ah, je suis bien là, cette vidéo, je la trouve bien. Que je sois fier de mes vidéos. Pas des vidéos où je les fais vraiment pour les faire. Non, là, je vais faire des vidéos travaillées. Voilà, j'ai vraiment envie de faire des vidéos diverses et variées. J'ai pas envie que les vidéos se ressemblent les unes les autres. J'ai envie de vraiment changer. J'espère que vous comprendrez ceci. Après, je voulais aussi vous remercier, puisque je vois que ces dernières semaines, il y a vraiment... Vous êtes de plus en plus nombreux, en fait. Il y a plus d'abonnés, plus de vues, ça me fait très plaisir. Donc merci beaucoup. Du coup, mes dernières vidéos ont l'air de vraiment beaucoup vous plaire, ce qui a pas mal de vues. Et la plupart du temps, ces dernières vidéos, elles sont travaillées, vous voyez. J'ai pas allumé la caméra pour faire tac tac tac, on joue, non. J'ai fait des vidéos travaillées, top 5 des raisons de pas jouer à Zelda, ou encore le tuto pour vous montrer où est l'ours dans Zelda, ou encore l'interview d'Evil Squid. Tout ça, ce sont des vidéos qui ont été travaillées, qui ont été... monter avec beaucoup de temps et je vois que ça vous plaît parce qu'elles font plus de vues que la moyenne de mes autres vidéos. Donc ça fait plaisir et ça veut dire que vous aussi vous aimez ce genre de vidéos. Donc ça me pousse à faire plus de vidéos travaillées. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite de bonnes vacances d'été. Voilà, profitez à fond, à fond, à fond, il fait chaud, il fait bon, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est très important. Donc voilà, j'espère pouvoir tourner bientôt.